ici. Je me tâte. Forgeron. Je suis forgeron. Voilà. Ok, combien il y a de monde? Pas encore beaucoup de monde. Bah, on va y aller, on va lancer cette première partie. Il y aura peut-être un peu de monde après. Ah, quoique. Ouais, effectivement, je ne l'ai pas annoncé. Je vais prendre Maître des Loups, effectivement. Je ne l'ai jamais pris. Et comme ça, je serai le Maître des Loups. Ok, bon. Je pense que c'est bon. Slash save. Prenez vos classes. Je lance dans 10 secondes. Juste le temps de vous expliquer où nous sommes sur un serveur Hunger Games, plugin réalisé par Aznet et moi. Le but est simplement d'être le dernier survivant. Voilà. Et là, donc, nous sommes invincibles tant que la partie n'a pas été lancée. Voilà, mais c'est droit à l'heure de lancer, donc AG Force. Et c'est donc parti dans 15 secondes. Hop là. Je crois qu'avec la fatigue, ça va être intéressant comme live. Je confirme. Attention, c'est parti. Alors moi je vais me téléporter un peu plus loin parce que sinon il y a tout le monde qui me tape tout de suite. HTTP. Voilà. Où suis-je? Ouais, je suis assez loin, ça devrait aller. Et il y a même une grotte, donc c'est très bien. C'est donc parti. Ah, Bruno ne joue pas, ok. Ah, ça prend les loups. Ah oui, j'ai pris les loups. Qu'est-ce qui ne marche pas, Alexis? Il faut un Minecraft officiel. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais je le dis à chaque fois. Il faut que vous ayez un Minecraft acheté, officiel, et tout ce qu'il y a de plus légal pour pouvoir jouer et vous connecter sur le serveur. Alors, hop. Je n'ai pas encore utilisé mes œufs maintenant. Le combat n'est pas encore parti, donc ça va bien. Voilà, c'est parti dans 30 secondes. Je vais voir s'il y a du monde autour de moi. J'en ai pas l'impression. C'est parfait. Donc on va aller choper un peu de cobble. Un hommage à Banana. Hein. De la cobble. Non, avec démon, tu ne reçois rien. Parce que démon, tu one-shot les squelettes. Mais tu reçois pas de stuff. Tous les kits ne donnent pas quelque chose au début. Hein. Alors donc, première chose, une épée. Deuxième chose, une pioche. Voilà, on va mettre le stuff correctement. Ça pour le moment, pas besoin, ça pas besoin. Ça comme ça. Et voilà. Il fait un peu noir, je trouve. Est-ce que mon brightness... Oui, il est à fond. Ok, c'est une grotte bien moisie avec rien dedans. Super. Super. Ah, et je vois un pseudo là-bas. Allez, une autre grotte. Moi, j'allais me faire le pseudo là-bas. Merde, il y a eu un lag et du coup je suis tombé. Lui il va pas me pousser bien loin. Hein. Et voilà, et je reçois des os. Super. Bon, bah, on va descendre là. Hein, du coup, il y a quelqu'un pas loin. Alors ça fait un peu peur. Donc on va descendre comme ça. Hop. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un pas loin. Hey, hey. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Bon bah je suis mort. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a tapé ou si je suis tombé à cause d'un mob ou quoi, mais en tout cas, voilà. Bah je suis mort. LOL! Bon, attendez, je vais essayer de retrouver la place par où c'était, que c'était, que c'était, que c'était, par là-bas. Sauf erreur, j'étais à peu près en 0, moins 200. Un truc dans le genre. Alors, je sais pas si qui c'est, si tu regardes le live. Dis-moi que c'est toi. Je viens un peu observer. Non, en fait, je sais pas où j'étais. Moins 200 peut-être? Pas regarder. Bon, c'est pas grave, on refera la partie suivante, on recommencera la partie suivante.
Ah, tu étais toujours en jeu aussi. Et qui avons-nous d'autre? Nous avons Merci les dernières. Shumi. Je suis loin pas, hein. Ouais, nous avons Shumi. On n'a pas un petit peu de monde quand même. Alors on retourne. Oups là. Oups là. Alors je suis fatigué, ça explique peut-être pourquoi j'ai joué comme un boulet à ce point. Peut-être, hein. Pas d'excuses, trouve Voilà, pas je ne d'excuses. trouve pas d'excuses, hein. Rien du tout. Alors, moins 200, moins 200, moins 200. Non, ce n'est pas par là. C'est pas par là, c'est de la jungle. Bon, tant pis, on va se taper sur l'INSEE. Et nous allons regarder. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le principe. Hein. Là, je suis mort, mais comme je suis admin, je peux me reconnecter sur le serveur. Mais je suis invisible. Donc, les autres joueurs ne me voient pas. Elle est la cultivatrice, donc ça se voit. Vous voyez, elle peut. Oups là, par contre, je ramasse les objets. Ça se voit, elle peut spammer. Ouh! C'est pas arrivé au bon moment. Hein. Ouais, tu veux faire un time day, s'il te plaît? Merci. Je vais faire autre chose, hein. Faut pas Oui, s'inquiéter. j'espère bien. Il y a du monde autour de toi, hein. Ah, mais ils sont avec toi, Deref et Johan. Oh, tu m'as fait Il peur! y a quand même deux gaillards à côté de toi. C'est justement le truc qui me fait peur dans ce genre de câlin. N'empêche, en fait, il y a des gens qui passent tout leur début de partie à me chercher. Parce que là, tu te téléportes bien. Oui. Je sais pas si je suis loin là, mais Oui, je suis t'es plutôt vachement loin. loin. Okay. Je sais pas comment ils font pour te retrouver à chaque fois. T'en fais pas only, je te frapperai jamais. Bon. Bon, moi je vais sprinter, faire un petit peu de. Mais non, ça lag pas. Arrêtez de dire que ça lag. Ah, là, il y a peut-être eu un petit coup de lag, effectivement, je confirme. Mais c'est le serveur qui fout un coup de lag. Non, non. Ouais, oui, il y a eu un micro coup de lag, mais c'est pas grand-chose. Ah, en plus, vous êtes les trois cultivateurs, d'accord. Bah au moins comme ça va. Au moins vous avez du pain. Je bouge hein, si jamais. Je sais, je te suis. Ah tu me suis. Enfin non, je suis plutôt devant, juste devant toi, mais. Ah, il y a une grotte, voilà. Alors, nous allons voir ce que l'INSEE va trouver dans cette grotte. Oh, des joueurs. Mais non. Allô, vous êtes toujours là? Vous avez un donjon à côté. Il y a un donjon. Fais gaffe, alors ce machin-là, faut que tu l'éclaires. Tu connais? Céline? Non. Ah, quoi non? J'ai rien pour éclairer ce jeu. Ah, bah ce machin-là, ça fait apparaître des monstres tant qu'il n'est pas éclairé. Oui, je sais. Ok, ah, j'aurais des réflexes, il est en train de se faire manger par un zombie. Ah, puis c'est moi récupérer l'XP, pardon. Les zombies ils font om nom 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 avec le cerveau de DRF. Je m'enlève un peu, je vais faire spawner quand même. Oh, quoi que j'ai entendu un coup d'arc là. Hop là, ouais, il y a une C qui se fait tirer dessus à l'arc. T'attends quoi? Va taper, voilà. Ben j'attends que je trouve le bon. Ah. Désolé, hein, ça prend un petit temps de réaction. C'est pas grave. Je sais pas. Une robe et du coup il y a le PC qui me surchauffe. Ah bah voilà. Mais en fait des fois j'aimerais presque jouer des parties toute seule, tu sais. Bah tu peux, hein. Ouais mais ils viennent quand même me Bah trouver. tu les tues. T'avertis au début. Là j'ai un petit freeze. T'avertis au début. Le choix est mort. Moi j'ai failli Ouais, moi mourir. j'ai entendu une explosion de creeper. Je pense qu'il t'a sauvé la vie. Ah non, c'est pas un creeper. C'est moi qui ai tapé le squelette, mais j'ai pas une peur. C'est pas un squelette. Ouais, mais il y a toujours le donjon juste à côté en fait. Il y a plein de zombies autour. Ah, bah il y a Shumi19 qui est mort de manière mystérieuse. LOL!
Enfin, combien il reste de personnes? Il reste quand même du monde. Juste aller voir au spawn s'il y a peut-être des gens buggés, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'il a voulu dire qu'il allait torcher le donjon. T'es encore là? Non, je vais. Oh non, merci. Ah oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais crever. Ah. Je suis en train de taper un zombie avec une corde. Ça va être intéressant, ça. Mais non, il est mort. Oh bah attends, il y en a tellement, il y a une torche. Ah oui, il y en a hein. tellement, vous avez attendu avant de faire. Il y a un. Ah, je vois un joueur au-dessus. Eh ben, tant pis. Je sais pas qui c'est, attends, je vais aller voir. Peut-être que vous connaissez. Ah bah, c'est Steve FR. Ah bah, il vient de mettre Steve. Du coup, par où je descends moi? Là. Ah non, mais ils ont mis un. Ah, je suis perdu. Hop là, je retourne vers lui. Il y a tout le monde qui est pour toi sur le chat. C'est vrai? Ouais. Bah, merci. Ça serait gentiment le moment de gagner une partie, du coup. Oh, arrête! C'est pas de ma faute si je gagne pas. Mais je fais tout pour gagner, mais à chaque fois, il arrive un. À chaque fois, il y a un. Ah, c'est toi qui as pris des dégâts là? Ah non. Ah, s'il va faire à côté de toi. Ah bah voilà, il veut de la bouffe en fait. Si tu lui dis oui, il va te tuer pour la prendre. Il dit non plutôt. Non, si tu lui dis oui, il va te tuer pour la prendre. Si tu lui dis non, il va rester vers toi jusqu'à ce que tu lui en fasses. Apparemment, il t'a pas tué, donc t'as de la chance. Mais tiens, les gens ils sont. Oups, c'est à toi. Pardon. Et de toute façon, s'ils sont focus avec moi une fois, bah, après ils voilà. Auraient pu être que, donc ils ont tout. Alors, est-ce que Dref va faire le jaloux et va tuer Steve FR? Non. Ça a l'air d'aller. Bon, du coup, moi je voulais aller voir s'il y a quelqu'un de bugué, donc on va se téléporter au hasard vers lui par exemple. Voilà, où est-il? Ah, bah, il est à côté du spawn, c'est magnifique. Et du coup, ici autour, est-ce qu'il y a des pseudos qui traînent? Des personnes volantes? Ou qui. Non, ça n'a pas l'air. Bah, c'est bien ça, mais c'est bien. Ah, nous avons ici quelqu'un par contre qui semble avoir repéré quelqu'un d'autre. C'est un commentaire hyper constructif, hein. Non, il a vu, il a rien vu. Oh! J'ai le chien qui vient d'ouvrir la porte. J'arrive. Ouais, ça va ou bien? Hey, il y a le chien qui vient d'ouvrir ma porte. Il aime pas que je parle tout seul devant l'ordi. Oh. Je suis de retour. Non, pas le chat, le chien. Bref, du coup, maintenant j'ai perdu la personne que je suis. Ça me fait penser à l'histoire de Sim hier soir. Ouais, effectivement. Ouais, y a pas beaucoup de frags là, on a juste Topown qui est mort. Et sinon, nous avons 3 et 6, 2, 4, 6, 18, 20 personnes. 18. 18 personnes encore en X. Vous voulez voir les lézards? Est-ce que le petit est dehors? Non. Il est là. Ouais, je vais voir si j'arrive à choper le petit. 2 secondes.
Alors attendez, je vais juste vous mettre la webcam en grand un petit coup. Hop, comme ça je vais vous montrer le petit lézard, mais en grand. Alors hop, comme ceci, voilà. Voilà, je vous présente le petit lézard. Donc là, attendez, c'est un peu flou. Pas dire son nom, Attendez, je vais essayer de le poser à plat pour que vous le voyez correctement. ok, alors il s'appelle Ouais, bon, bah, Rémi. c'est la webcam, hein. La qualité est pas top, mais voilà le petit lézard. Rémi. Il s'appelle Rayé, tout simplement parce qu'il est rayé sur le dos. Et Only, j'entends pas tes commentaires si jamais tu parles. Oh. Je sais. Hop là. Hop. Voilà, je vais le reposer. Je vais le laisser un peu tranquille. Il est en train de faire la sieste. Voilà, je suis de retour, je vais vous donner, remettre Minecraft du coup. Hop là, voilà. Alors, il grimpe partout. Oui, non, c'est pas un de ces machins qui peut s'accrocher aux murs et aux vitres qui. Sur les côtés. Par contre, ils ont des minuscules griffes, donc du coup, sur les parois qui ne sont pas du verre, ils arrivent à grimper plutôt bien. Ouais. Alors, David, Trop où? bien. Quoi, trop bien? Qu'est-ce que t'as trouvé? Une Comme Annecy. hmm En fait, l'inverse. Deux. Non, ça c'est le but. Ah. Faut bien voir. Ouais, je vois, t'as trouvé une crevasse, c'est cool. Je disais, ouais, donc c'est la sieste à 21h, c'est normal parce que c'est un lézard qui vit la nuit, donc il dort la journée. Hello l'araignée. Hello. Attention, il y a une araignée. Attention, il y a une araignée. Heureusement qu'il est là. Hein. Ah, on a Benoît qui est mort de manière mystérieuse. Et du coup, il reste 18 personnes en jeu. Hey. Hey. Ah, tu as trouvé comment le débat? Très sympa, c'était sympathique. Donc un petit peu d'expérience et puis de préparation, mais autrement non, c'était sympa. Alors si jamais ceux qui demandent, oui, il y aura une deuxième partie après, il n'y a pas de problème, vous pourrez participer ou reparticiper. Il n'y a aucun souci, par contre je ne vais pas interrompre celle-ci, hein, évidemment. On va laisser se terminer avant d'en lancer une seconde. Hello, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'es timide? Ouais, ici, regarde-moi. Non, bon. Il y a un squelette. Il y a deux squelettes. Tu vas mourir? Alors, j'aurais plutôt dit deux, oui, mais. Mais non! Ouais, mais là, tu peux pas. Tu le tapes pas là, faut t'approcher. Hein. Il y a plein de fer en haut. Déjà mort. Bah, c'est pour ça que j'y allais. Ouais, de. Des lives, alors c'est qui? C'est Alexis66. Des lives, j'en fais 3 à 4 par semaine. Donc, oui, j'en referai, ne t'en fais pas.
Non, je vais pas faire le tuto pour l'installation, mais je vais vous donner la vidéo dans laquelle, oui. Il faut que quelqu'un fasse un tour parce que j'ai une peine de faire. Bah, tu peux en faire aussi. Bon, je lance un message audio, j'ai la peine d'écrire. Ah. Qui était-ce? Oui, Fonfon, je t'envoie Oui, mais c'est une terminé. Vidéo où normalement il y a le tuto au début, mais je ne le referai pas. C'est la 4 ou 5e fois que je le fais, donc voilà. Alors, c'est pas celui-ci. Ah On est en ouais, je train sais plus d'être alors. spammé les messages sur Facebook. Ouais. Oh bah, Fonfon, j'ai pas de vidéo. Mais si jamais tu tapes Pipix sur Google et puis c'est bon. Ah, il y a Value, il est avec vous? Oui. En tout cas, il y a Value là qui est fou de faire. Oui. Pour faire le downgrade vers 1.2.5, vous allez sur ce lien et c'est prêt. Et Bruno, tu ne peux pas cliquer sur la petite horloge à côté de mon pseudo parce que j'ai mis un lien. Tu as mon serveur slot illimité Mumble? Non merci, j'ai un serveur slot illimité Mumble. Combien il reste de personnes? 15, 16. 16. Oui, 16. Surveille autour de moi, je vais voir sur Facebook. Bah non. Bah non. Ça m'a l'air intéressant, désolé. Suis allé voir moi du coup. Non, je vais pas enlever l'IP du serveur, comme ça les gens qui me Ah, rejoignent c'est après ils peuvent. Nico. Tu veux que je te dise le message? Non, non, c'est bon, je l'ai sous les yeux. Il a juste dit qu'il avait découvert qu'on avait plein. Rien compris. Il a compris à quoi? Est-ce que tu vois, tu as dit? C'est pas grave, j'ai le message sous les yeux. Ouais, d'accord. Bon, que se passe-t-il? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Du coup, moi, je vous propose que je sois AFK quelques secondes, juste le temps d'aller me faire un café. Donc, je vais rester la vue sur... non, la vue sur la crevasse, parce que je sens qu'il y en a un qui va mourir. Hop. Voilà, la vue sur la crevasse ici, et j'ai AFK pendant 2 minutes, le temps de me faire un café. À tout de suite. Hop là! Voilà. Voilà, et du coup, bah évidemment, il n'y a personne sous mes yeux. C'est pas grave. Hop.
Et nous allons voir là-bas. Du coup, nous avons Only, full fer. Bref, presque full fer. Ah non, il manque des bottes et un casque. Il ouais. y a plein de fer qui fond. Et sinon, nous avons. Non, ah, il y a un pseudo. J'arrive pas à voir qui c'est, mais il y a un pseudo. Oui, c'est Tueur qui vient vers nous. Non. C'est soit Tueur, soit Taro qui vient nous aider. Je sais pas, mais il y a un pseudo en tout cas. Est-ce que. Alors là, il y a quelqu'un, il s'agit de Tueur. Mais il y avait un autre pseudo, est-ce que c'était un qui était avec vous? Oui, il vient nous aider. Du coup, il reste 15 personnes. Allez, Steve va faire à poil. Mais il y en a 10 avec moi. Ouais, peut-être que plus. Oui, je sais, on peut bien faire du fer. Ah. J'ai ma souris qui. Ah non, mais. Évidemment, si j'ai mon clavier qui est décalé, qui bouffe les 3/4 de l'espace de mon. Hop là. Mon tapis de souris, c'est normal que la souris ne fonctionne plus. Vous voulez voir qui est connecté, voilà, comme ça vous pouvez voir qui est connecté, qui est encore in game. Avec les fuites. Tu remarques que je tiens toujours hyper bien. En même temps, t'as 40 personnes autour de toi qui t'aident. Oui, tu tiens super bien. Je suis toute seule, je me débrouille bien. Oui. Voilà, c'est bien, bravo. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le mumble quand je parle avec le mumble. Non, il y a un décalage entre ce que tu vois sur le jeu et mon jeu à moi. Non, il y a un décalage quand moi je parle. Il y a 3 secondes de décalage entre ce que quand moi je finis de parler et quand toi tu réponds. Ok. Ouais, mais c'est peut-être aussi que le temps que je trouve le bouton. Hein. Non. Ok, je vais dire ping. Et toi, tu réponds Pong aussi vite que possible. Ok. Ok. Ping. Pong. Ouais, il y a 4 secondes de décalage. Bizarre. Ok. Sûr qui dit Only, je sais pas où vous êtes, bah il était à côté de vous. Bon, je retire les fuites parce que... Hein. Hop. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe sinon? Slash save fist dans 30 secondes. Eh non, c'est pas juste! Eh si! Ça sert à quoi les œufs? Soit faire pousser des graines et des pousses, soit faire des. À apprivoiser des loups. Donc, à rien du tout, merci. Voilà. Bon, slash AG force. Et nous allons nous déplacer à la fiste qui se trouve en 250, 130. 250. Et c'est à 150 blocs de vous, hein, c'est pas loin. Good. Qu'avons-nous de beau dans le fist aujourd'hui? Nous avons donc des soupes et de la bidoche, des potions, du poison, de la viande, des potions, du poison, une épée en diamant, des potions, de la bidoche, un plastron en diamant, des soupes, un casque en diamant, un briquet, de la viande, des toiles d'araignée, des bottes en diamant. Un casque en diamant. De la viande, de la bidoche et une table d'enchantement. Et c'est tout. C'est pas mal, on va dire. Hein. Il y a en tout cas un stuff complet. Et nous avons un joueur qui débarque. Et il s'agit de Étienne. Étienne qui débarque à la fiste. Et qui va commencer à s'équiper. Il est tout seul. Il est seul au monde en train de récupérer le stuff en diamant.
Alors là, il y a un débat qui se passe sur le chat. J'ai pas trop compris ce qui se passe. J'ai pas vu. C'est pas grave. As, pourrais-tu faire un tiers du cube STSP prochainement? Oui, mais je sais pas encore quand. Pareil pour un Balls of Steel. Hop là, pardon, je sors un peu les clés de la poche parce que. Pareil pour le Balls of Steel, j'ai pas encore pris ni terre du cube, pris de décision pour les dates, ni pour la terre du cube, ni pour Balls of Steel. Et le contenu de la fiche est généré plus ou moins aléatoirement, donc chaque pièce du stuff peut apparaître entre 0 et 3 fois, et il peut y avoir entre 1 et 4 épées en diamant, je crois, qui peuvent apparaître, donc c'est aléatoire. Il y a une très faible probabilité qu'un jour il y ait une fiche sans rien en diamant dedans. Ah, par contre, nous avons. Bad Guns qui arrive là et donc qui commence le fight. Il est en full fer et Etienne lui est en diamant. Mais Bad Guns a des loups, les loups qui ne semblent pas vouloir attaquer, mais Bad Guns qui continue de fighter. Voilà, les loups arrivent. Ah non, les loups se sont assis parce que Bad Guns est mort. Est-ce que les loups appartiennent maintenant? Peut-être à Etienne. J'ai jamais entendu le bruit. C'est normal qu'il grogne comme ça, j'ai jamais entendu. Ouais. On est attaqué! Sérieux? Ah voilà, bah Onitsu qui se fait frapper par des loups, c'est tout? Les loups à qui? Ils avaient des Non, il y colliers. avait un Ah, il y joueur. avait un joueur, GTX, TX, d'accord, qui était là. Il y avait quelqu'un, mais on l'a dit. Oui, je vois ça, bah félicitations. Enfin, c'est pas toi qui l'as tué, mais félicitations quand même, tu as survécu. Wouhou! Bah maintenant, par contre, il y a toujours Étienne qui a full jams, hein. Ah bah du coup, si tout le monde était fort. Et donc, nous allons suivre Étienne. Ouais, Étienne qui a récupéré mais la faut table qu'on bouge, enchante. mais il n'y a personne qui a l'air de vouloir bouger. Bah voilà, bah tant pis. Étienne qui a récupéré apparemment la table enchante, Moi j'ai qui est rien de presque full bien, diams. Ouais, tu hein. peux Allez, dire en on va chat, le parce que là je chercher. parle par-dessus et de toute façon personne n'entend rien. Voilà, donc nous avons Étienne qui est fighté par Sanders et Warrior en même temps. Sanders et Warrior qui ont fait apparemment équipe. Est-ce que Étienne fuit? Ça y est, Étienne, je pense qu'il a pris beaucoup de coups. Le Diams n'est pas autant cheaté que sur les serveurs MCPP et du coup, il se peut que Étienne meure. Meure. Étienne meure. Oui, non, oui, non. Voilà, Étienne qui a réussi à séparer les deux joueurs, qui prend Warriors en solo, mais il va se retrouver en sandwich entre Warrior et Sanders. Étienne qui meurt, il récupère le stuff et voilà, Étienne s'en va, part en courant, il profite pour régénérer peut-être sa vie, je ne sais pas. Sanders qui continue de le courser. Étienne qui, je pense, récupère gentiment le contenu de ses cœurs, de sa vie. Voilà. Ah, Étienne qui reprend un coup, mais du coup, il a été propulsé par Sanders et Sanders repère du coup du terrain. Étienne, est-ce qu'il va pouvoir fuir ou est-ce qu'il va pouvoir se retourner et faire om nom nom nom? Ah voilà, il fait om nom 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 avec du pain. Mais il prend quelques coups. Sanders qui continue, qui insiste. Et Étienne qui a pris beaucoup de coups là, mais qui continue de fuir. Il faudrait se retourner et simplement le frapper. Alors j'ai pas moyen de voir la vie qu'ils ont. C'est pas grave. Ah, c'est peut-être un. Oula, il y a un gros lag là. Il y a un gros lag. Aïe aïe aïe. Aïe Il y a aïe un gros aïe. lag. Il y a un gros lag. Est-ce que le serveur a planté? C'est possible, non? Ouais. Ah merde, ça a profité Non, non, malheureusement non, à c'est parti, c'est Étienne. reparti. Ouais, mais ça continue de gros laguer là. Ouh, c'est un peu la merde là. Oui, j'essaie de suivre quelqu'un, mais... Ah, ça continue de grandement laguer. J'en suis désolé, j'ai aucune idée pourquoi. Ah voilà, je crois que ça a fini le lag. Il y a eu peut-être une petite sauvegarde. Je sais pas. En tout cas, Étienne et Sanders qui continuent de se foutre sur la gueule joyeusement. Est-ce que Étienne va profiter des lags, peut-être du coup, pour remporter la victoire? Alors, Sanders qui fuit maintenant. Sanders qui se retourne, qui a réussi à mettre quelques coups à Étienne. Étienne qui redonne des coups à Sanders. Sanders qui reprend la fuite une deuxième fois. Mais là, la frontière entre la glace et la terre est toujours un peu dangereuse. Du coup, Sanders qui recule, qui est acculé contre les arbres. Non, il arrive à ressortir. Ah, c'est un beau combat épique là quand même. Mais il n'y a pas de soupe de champignons en plus. Je sais pas comment ils font pour être encore en vie. Et voilà, Sanders qui finit par mourir. Sanders qui était un cultivateur en fait. Voilà, ben désolé pour les lags. Hein, ce sont des choses qui arrivent. Et il reste donc 8 personnes en jeu, dont l'équipe de l'INSEE. Et là, Étienne qui va peut-être commencer la chasse. 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 Pardon. Étienne qui escalade, qui grimpe, qui monte, qui fait. Hop, il est en haut, et il redescend. Il prend quelques dégâts, rien de bien, bien grave.
Ah, et il arrive à la rencontre de Deref, et je pense que Onensi est juste derrière. Alors là, ils sont 4, donc là, c'est plus la même histoire. Etienne qui décide de back, voilà, il prend quelques coups parce qu'il veut faire. Et il y a Tueur qui est là, Tueur qui s'est pris un coup de Steve, il fallait pas être au milieu du chemin. Mais Etienne qui décide de back quand même, ils sont 4. Nous avons Deref, Onensi, Tueur et Steve FR qui sont en train de poursuivre le full diams. Alors, pardon, attention, nous avons une crevasse. Est-ce que Etienne va tomber dedans ou est-ce que Onensi va tomber dedans? Nous ne savons pas. Attention, 1, 2, ah, et il y a Value. Comment ça se fait que Value a un casque en diams? C'est ce qu'il a trouvé peut-être à la fist. Il allait faire un petit arrêt à la fist, c'est possible. Ah, Onensi qui hésite quand même, hein, qui a peur de tomber un peu dans la fist. Non, ça a l'air d'être bon. Ok, bah du coup, j'ai perdu le combat. Alors, on a des refs. Voilà, nous avons Steve FR ici. Est-ce que... Ah, voilà, nous avons encore du monde. Ah, Etienne qui est mort. Etienne qui est mort, tué par Value. Félicitations. Et du coup, là, il y a le stuff en diams, mais Value qui semble être plein. Il peut pas y rien ramasser. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a un qui va faire et qui va tout prendre, tout le diams, ou est-ce qu'ils vont peut-être se le partager un petit peu? Onensi qui arrive toute penaud derrière. Donnez-moi un petit peu de diamant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu m'en prends un petit peu de diamant, s'il vous plaît. Épée diams, please intrus. Que je pense qu'ils vont casser. Moi, je prends le casque, prenez le reste. Ah, et une table d'enchantement. Alors, enchantez vos épées en bois, hein, évidemment, c'est ce qui semble être le plus logique, disons. Ah, puis le café est encore chaud. La cuillère, hein. L'argent est encore chaud dans le café. Et nous avons la nuit qui tombe. Mais ça va, c'est quoi tes commentaires? Je meuble comme je peux. Il reste donc 7 personnes. Oh, j'ai chopé 40 fers. Ah, mais ça sert à rien, il fallait trouver du diamant là cette fois. T'as rien au diamant sur toi? Est-ce que tu as des niveaux? Non, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as des niveaux d'expérience? C'est la petite barre verte au-dessus de ta barre. Ta barre d'item. Il y a écrit 3. 3, alors tu as un niveau 3. Donc tu peux ouvrir, tu fais clic droit sur la table d'enchantement. Et tu poses ton épée ou un casque, non plutôt l'épée. Tu poses ton épée dans le petit slot. Et ça te permet d'enchanter. Donc t'as 3 menus écrits en langage spécial. Et t'as un numéro sur chaque ligne. Tu prends le numéro qui correspond, qui est en dessous de 3, le plus près de 3 possible. Du coup, ça enchante ton épée. Bah, il n'y a que 3. Alors, tu reprends l'épée. Là, il y a le niveau 3. Ouais. Alors, tu cliques sur le 3 et ça te fait un niveau 3, un enchantement niveau 3. Ça va, ça a marché. Et du coup, qu'est-ce que tu as sur ton épée? Il reste qui d'autre à part nous? Je sais pas. Tu ouvres ton inventaire et tu mets ta souris sur l'épée. Et tu me dis ce qu'il y a. C'est sharpness, si c'est fire aspect. Il y a écrit sharpness. Ok, t'as un sharpness 1, c'est... Sharpness, je crois, c'est tu te fais un peu plus de dégâts quand tu tapes. Il y a un squelette autour de vous. Ok. Bon, du coup, il reste... qui n'est pas dans votre équipe. Titi. Oui, il reste qui à part nous. Non, Tilit, plutôt. Tilit, qui est... qui s'est fait une jolie petite maison, une petite mine opti. Pas vraiment opti, mais en tout cas, un petit emplacement. Et sinon, il reste XXNBJTM, slash TP, Azupix sur XXNBJTM, NBJTM qui se balade aussi, et sinon, qui d'autre? Steve FR est avec vous, Tueur avec vous, DRF avec vous, Value avec vous, donc il reste Tilit et XXNBJTM. Et Tilit qui va sortir, voilà. Non, 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 il n'en reste pas 8, il en reste 7 parce que moi j'apparais dans cette liste là. Donc il faut prendre les 8 qui est là, moins 1, ça fait 7. Ah, quelqu'un a pris un dégât, quelqu'un est tombé peut-être. Ah, il y a un cochon, ah, c'est un cochon qui a pris un dégât. Pas de bol. Et, ouh, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Est-ce qu'il y a un joueur? Peut-être, 1, 2, ah, ils sont autant que ça. Ça paraît bizarre ça.
Parce qu'ils sont en train de chasser un joueur, peut-être. Oh, Lindsay qui fait du dégât, mais qui tombe dans un trou. Mou, ha, 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 ha. Et je prends du level, moi. Et du coup, ils sont en train de te semer. Les autres joueurs sont en train de te... Ah non, voilà, ils ont fait demi-tour. Ah, vous êtes quand même 5, hein. Va falloir vous foutre sur la gueule au bout d'un moment. Hein. Un jour ou l'autre. Pardon? Hein? T'as dit quoi? Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Je sais pas si c'est peut-être dans ce trou qu'il y a un joueur ou pas. Ça, c'est vrai. Là, dans ce trou, il n'y a... Selon toute ressemblance, personne. Bah ici. Sinon, ouh, alors vous êtes en 150-30 et TP as Tilit. Ok, Tilit est assez loin. Et NBJTM est super loin. Ouais, bah vous êtes pas à la porte d'à côté. Hein. C'est pas drôle, je sais même plus qui on suit maintenant. Bah là, apparemment, tout le monde suit tout le monde à peu près. Bon, bah on fait qui d'abord? Safe fight. Sinon, je vais commencer à faire du lol. Attendez, on va essayer de se... Hop. Alors, si je fais ça... Non, on est en train de les... Ah ouais, d'accord, je peux faire ça en boucle. Ah, ils sont partis, attendez, ils sont partis. Distribution d'XP, distribution d'XP pour Azepi. Hop. Ensuite, disons, distribution d'arc pour Azepi. Et distribution de table d'enchantement pour Azepi. Voir si j'arrive à faire un truc peut-être funxy. Fun. Hop. Ah ouais, mais j'ai pas de bibliothèque autour du coup. Bon, on va faire un niveau 3, j'ai un power 1. Ça n'ira très bien. Je prends quelques flèches. Et je me retépé sur... Attends, je crois qu'il y en a un qui est mort, non? Non, non. Et là, par contre, on peut faire un... Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se prendre une petite flèche? Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Il s'est pas pris une flèche, mais il est tombé. Du coup, ils sont tous en train de regarder les autres. Mais ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Faire des mondes, tu veux? On est en train de chercher les autres joueurs, alors tu nous l'as fait, tu veux? Oui, je ne fais rien, moi. Bref, excusez-moi. Ah, quelqu'un a pris un dégât. C'est pas moi premier. Attendez, alors... Hop, le pauvre 1, on le vire. Et la bibliothèque, on la prend. Ouais, c'est le temps qu'il y a un petit peu de choses qui se passent, disons. En attendant, moi, je vais juste me faire un petit peu d'enchantement. Correct ici. Hop là. Hop. Oups. Je ne fais rien du tout. Moi, je ne fais jamais rien. Hop. Je prends non, dans mon salon, je disais, toi arrête de m'emmerder. Ah. Oh. Voilà. Il y a quelques petits bugs avec les niveaux, c'est pas grave. Alors, qu'arrivais-je à faire? 21, ça me semble pas mal.
Punch. Je sais pas ce que c'est ça, punch, tiens. TP only. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas là il y a un arbre qui brûle. Punch, quelqu'un peut me dire sur le chat ce que c'est punch, que fait punch? Ah, je les ai perdus. Punch, propulsé. Ah d'accord, puissance, bref, fight. Puissance, ok. C'est pas le power 1, la puissance. Ah, mais ça propulse. On va tester. Ouais, d'accord, ils prennent des... Les sens sûr. Pardon, tueur, c'était un test. La puissance. Oh yeah. Il dit qu'il est ici, tu confirmes? Alors, tu confirmes qu'il est ici? 200-300 TP As, Tilit. Alors, pas Tilit. Non! Ils ne sont pas là. Il a dit ici. Ouais, mais la boussole, il faut taper plusieurs fois la boussole, elle indique à un moment précis, elle indique pas en permanence la direction. Donc s'il a bougé, ça indique la... Ouais, mais est-ce qu'il est par là-bas en dessous, c'est ça la question? Ah non. Parce qu'il a bougé. La boussole, elle indique ouais, l'emplacement du joueur là, au moment ça. Où il tape... Non, il est pas là, il est parti. Il est en train de chasser du monde, là. Ah là là. Ah, ils sont en train de se foutre sur la gueule là. Ah bah oui, il y a Tilit qui est là, bah j'avais pas vu, pardon. Voilà, bah Tilit qui va finir peut-être par mourir. Est-ce qu'il va faire une victime? Hop là, moi pas en tout cas. Voilà, Tilit qui meurt, tué par Steve FR, félicitations. Désolé, je n'avais pas vu qu'il était pas là, il me semblait. Par là, il me semblait qu'il était vachement plus loin. Avec ta merde, là. Anyway, NBJTM va arriver. Ouais, ça commence à faire long en fait pour ça. Hop là. J'arrive pas à ramasser mes propres flèches. Ils sont partis où? Partez pas sans moi! Ah, moi j'ai oublié ma table d'enchantement en chemin en fait. Où j'ai préparé mon changement, c'est pas grave. As you fight dans slash CSP. Fight. Le tuer et après on se fout sur la gueule 3 secondes. C'est les gens qui réclament, hein. Ils veulent du sang. Bah oui, bah ils vont en avoir. Fire in the hole! Ah, il y a rien qui se tape là, non? Où est ma flèche? Où est ma flèche? Oh, je sais pas. C'est vrai? Il est enterré? Mais non, il me semble pas, il se balade. TP, As the Pick sur NBJT. Il est en 300 en moins 300. En haut. Ah, il est pas loin, effectivement, mais pas ici en haut. Enfin, ici à côté, mais voilà, il est là. Vous voyez normalement. Ah, il est à l'arc quand même. Et il fuit le couar. Là, il y a un arbre qui brûle. Oups. Ahou. Flèche en feu. Bon, bref. On va quand même essayer de voir le fight là. Ah, voilà, et c'est parti, NBJTM, qui prend les coups par Steve, mais ce qui... Oh, qui a essayé d'enflammer Steve, c'était bien essayé, mais pas suffisant. Tueur qui suit, tueur qui a un arc, qui a récupéré toutes les flèches que j'ai données, je pense. Alors, il a un briquet, il n'arrive pas à mettre le feu parce qu'il y a de la neige, et NBJTM qui meurt. Et là, du coup, il y a tout le monde qui se fout sur la gueule, dans la joie et la bonne humeur, à part une NC qui regarde. Elle est dans son coin, elle regarde. Steve FR qui va tuer tueur. Voilà, tueur qui meurt, et maintenant, il y a Value, Value qui...
Enflammé Steve FR, félicitations. Valoum qui tape avec une boussole. Je pense que Steve FR doit être un bon taux. Ah, par contre, on a Deref qui vient faire le fourbe et qui saute au milieu là. Deref, du coup, qui se prend les coups de Steve FR. Et Valou est parti. Parti simplement. Et Steve FR qui fait fuir Deref. Ah non, ouais, bah aussi Steve FR qui poursuit Deref. Deref qui court, qui part en courant. Allez, sprint, sprint, saute. Enfin, oh, ouh, bien joué le petit demi-tour là. Un poulet qui meurt. Oh non, il y a une victime. Les dommages collatéraux, c'est les poulets qui meurent. Et là, nous avons un petit lag. Non. Deref qui va à l'attaque. Et du coup, Steve FR qui se prend quand même mais pas mal de coups. Mais je vais-tu mourir et tu viens même pas filmer ça? Bah non, là, j'ai un autre combat là. Et du coup, Steve FR qui. Eh ben moi, ah, j'ai même. Ah bah ils ont décidé de plus taper, non, aussi ils décident quand même. Deref qui fait le fourbe, et voilà, Steve FR qui tombe dans l'eau, alors attention, Steve FR est mort, et Oninse est morte, mais comment t'es morte? T'es morte comment? Bah par value. Non, non, ça met de manière et mystérieuse. Je me suis fait tuer si t'avais suivi. Non, ça écrit de manière mystérieuse. Non. Ah, c'est value, mais c'est parce qu'il m'a foutu le feu. Ah d'accord, oui, bah il voilà. M'a foutu le feu. D'accord, bah c'est Deref qui... Deref et value qui restent. J'ai allumé ma lumière, je reviens. Hop. Ah, Deref, j'y ai fait un peu peur, non? Oui. Alors, Deref qui cherche Value. Où est-il? Le quoi? J'ai vu un pseudo par là, je crois. Oui. Et c'est parti, le fight. Ouf! Oh, félicitations, Value qui arrive à enflammer Deref. Deref qui aurait peut-être dû prendre le stuff en diams de ses victimes. Parce que là, du coup, je pense que ça va lui couper le match. Et voilà, Value qui remporte le match. Félicitations, Value. Bien joué. C'était un beau match, même si vous étiez un peu 5. C'est... Ah, voilà.